Salut. En fait, ceci n'est pas une vidéo, c'est juste une démonstration donc d'une IA assez puissante que Canva a intégrée à sa plateforme qui vous permet facilement de voler un quelconque visuel sur Internet comme ce visuel que vous voyez là, tout simplement, et de lui apporter plein de modifications jusqu'à l'utiliser pour créer vos propres arrière-plans et pour créer vos propres designs exactement comme ce que moi j'ai fait ici. Donc ce résultat final que vous voyez là, c'est un résultat issu donc de l'arrière-plan de l'élément qu'on a là tout simplement, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment refaire exactement ce que j'ai fait ici et surtout comment exploiter la puissance de ces nouvelles IA de Canva pour créer des choses incroyables sur Canva ici. Donc si vous êtes prêt, on y go tout de suite. Donc pour commencer, je vais retourner ici sur l'accueil de Canva, tout simplement partie d'une page totalement blanche pour être exempt de toute corruption, de toute manipulation, de toute fausse manipulation que vous pouvez vraiment vous dire dans votre tête. Donc là déjà, je vais cliquer tout simplement sur dimension personnalisée, entrer mes propres dimensions. Donc je veux un truc de 1920 par 1080 tout simplement, et nous voici donc à l'intérieur de Canva et sur une page de design totalement vierge. Alors ici, ce que je souhaite donc faire, c'est vraiment de tester la puissance donc des outils d'IA que Canva a ajouté très très récemment à sa plateforme et voir jusqu'à quel niveau ils peuvent m'amener. Pour cela, je vais déjà retrouver mon visuel de base, donc je vais importer. C'est un visuel que j'ai retrouvé assez rapidement sur Pinterest. Donc vous voyez que c'est un visuel de publicité pour Nescafé. C'est déjà tout fait. Vous allez constater que tout est déjà bien fait comme cela. Je l'ai téléchargé au format PNG et je l'ai importé ici sur la plateforme. Donc la première des choses que j'ai envie donc de faire à cette image là, c'est bien sûr de pouvoir enlever les textes qu'on a vraiment sur l'image là. Et pour ça, Canva dispose donc d'une super IA ici. D'ailleurs, je vous montre. Il suffit tout simplement de cliquer sur modifier une photo ici, tout simplement. Et à l'intérieur ici, vous allez voir donc les nouveautés donc de Canva. Vous voyez Studio Magique, tout simplement, effaceur d'arrière-plan, gomme magique, agrandissement et tout ça. On va y revenir. Ce qui nous intéresse ici déjà dans un premier temps, c'est l'option capture de texte. Et là, on va cliquer là-dessus pour voir la magie. Vous êtes prêts? Et ben voici. Ici, tout simplement, vous allez constater que le test Nescafé a été extrait donc du design, et quand je l'enlève comme cela, vous pourrez constater que juste là au niveau de l'arrière-plan, donc l'arrière-plan a été restitué assez facilement. Et ce qui est d'ailleurs incroyable dans cette histoire, c'est que le test que vous avez là ici respecte exactement la même police que Nescafé a l'habitude d'utiliser, donc du roda black, tout simplement les mêmes couleurs, les mêmes styles, vraiment tout est fait prêt pour que vous ayez un test assez parfaitement extrait comme ceci. Mais ce n'est pas fini. Il reste d'autres tests sur le visuel. On va essayer donc de les bouger et vous pourrez constater que à ces niveaux également, on peut bouger donc les tests. Donc si je change l'arrière-plan, vous pouvez constater donc le test qu'on a là également a été bougé comme ça. Donc on a extrait ces tests là et tout ce qu'on a donc comme test sur ce visuel a été extrait assez facilement. Donc là on a quelque chose sans test tout simplement, mais ce n'est pas encore propre pour moi. Et pour ça, je vais déjà venir dupliquer la page ici juste pour garder la copie donc de cette première partie. Ensuite, venez cliquer donc sur mon image là et une fois encore cliquer sur modifier une photo. Là, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin vraiment donc de supprimer en fait les éléments qu'on a là parce que le test a été extrait, mais la forme ici reste là et ce n'est pas assez joli pour moi. Donc je vais utiliser tout simplement une autre IA ici qu'on appelle gomme magique. Pour cela, je clique sur gomme magique comme ceci. Tout simplement, j'augmente un peu la taille du pinceau et je viens sélectionner donc la partie que je souhaite donc supprimer. Donc je fais ça pour sélectionner tous ces trois éléments là et je vais les supprimer. Et encore, attendez, voir la magie. Paf. Donc tous les trois éléments que j'ai là ont disparu comme par magie. Et je ne vais pas m'arrêter là. Je vais essayer donc de venir nettoyer un peu cette partie là également. Donc supprimer tout ce qu'on a comme débris là et pouvoir donc avoir quelque chose de clé. Voilà. Donc ici, j'imagine que la plupart d'entre vous vont s'arrêter là, tout simplement. Donc ajouter un test là, ajouter quelques éléments là, et ils ont réussi donc à créer un visuel pour Nescafé, mais en utilisant simplement Canva. Mais moi, je suis beaucoup plus ambitieux que cela. Ce que je veux faire, tout simplement, c'est déjà donc de sortir de cet outil, puisque je viens donc de finir avec, de passer donc à une troisième étape. Alors, je fais dupliquer tout simplement pour garder donc une copie de ma page, et ici, je vais faire appel à une
une troisième IA. L'IA qu'on va utiliser ici va nous permettre tout simplement de pouvoir extraire donc l'image du produit, donc de l'arrière-plan. Et pour cela, je vais faire modifier une photo ici, tout simplement. Et ici, je vais utiliser l'outil Capture Magique qui est bien sûr à côté ici. Donc, je clique sur l'outil et quelques minutes plus tard, vous pouvez constater que l'image donc du produit, le Nescafé même en question, va se détacher donc de l'arrière-plan. Donc là, vous voyez qu'est-ce que ça donne. La magie s'est opérée. Et si je fais comme ceci, vous pouvez constater que j'arrive donc à bouger en fait le produit donc de l'arrière-plan. Et ce, assez facilement et sans aucune gêne. N'est-ce pas incroyable ça? D'ailleurs, je pense que c'est vraiment le moment de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne maintenant si vous ne l'avez pas encore fait. Parce que ici, sur cette chaîne, nous essayons tout simplement de challenger Canva, de découvrir ses fonctionnalités et ses astuces pépites tout simplement pour pouvoir sortir quelque chose de magique de l'outil. Donc, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et nous, on peut continuer. Alors, comme vous le constatez avec moi, cette mission également est réussie et on va passer à la quatrième étape. Donc, maintenant que j'ai réussi donc à supprimer le produit, j'ai enlevé le texte, j'ai enlevé les corrections, j'ai fait toutes les retouches possibles. Je souhaite donc agrandir en fait cet élément pour occuper tout l'espace donc de ma page de design. Et pour cela, je vais cliquer donc sur le résultat final donc de la troisième étape, ensuite faire modifier une photo et une fois encore faire appel à une IA. Et l'IA que je vais appeler au secours ici s'appelle agrandissement magique. Je vais cliquer donc sur cette IA là et on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Donc là, il dit développer tout simplement, sélectionner une taille libre. Donc vous avez la possibilité donc de sélectionner la taille que vous souhaitez, mais moi je veux donc quelque chose qui va couvrir totalement la page entière totalement et je vais faire agrandissement magique et attendre pour voir qu'est-ce que l'IA va me proposer. Donc quand je fais ça, quelques minutes plus tard, j'ai une toute première proposition, mais généralement vous allez avoir 4 propositions à chaque fois et si les propositions que vous avez ne vous correspondent pas, vous pouvez toutefois cliquer en fait sur d'autres éléments et voir d'autres propositions. Donc là, j'ai ici une deuxième proposition. Je pense que ça rend pas mal. Par contre, j'ai en fait ceci qui ne donne pas forcément l'effet réel qu'il faut. J'ai également ceci. Bon, plus ou moins pas mal. Et le dernier qui est ceci. Je pense que le dernier rend beaucoup plus que tous les éléments qu'on a là. Donc j'ai ça et j'ai ça. Sinon, ceci aussi rend. Mais pourquoi on a forcément ça là? Donc ça aussi, c'est pas mal. Je vais faire générer de nouveaux résultats pour voir si je peux avoir des résultats encore plus meilleurs. Donc ici, j'ai de nouvelles propositions et je pense que de tous les résultats que j'ai ici, c'est le résultat qui me semble beaucoup plus probant. Donc on va peut-être s'arrêter là, sinon on a toujours la possibilité de faire générer de nouveaux résultats et de voir en fait, jusqu'à trouver une proposition qui nous correspond la mieux. Donc là, je vais faire terminer et j'ai ici un arrière-plan assez intéressant, assez réaliste et qui est vraiment issu de notre création de base ici. Donc là, vous pouvez déjà commencer par imaginer en fait juste où l'IA peut vous emmener, juste qu'à quel niveau de personnalisation, jusqu'à quel niveau, à quel degré, je sais pas, de profondeur dans le travail, vous pouvez donc amener l'IA tout simplement juste en appliquant quelques éléments les uns après les autres. Maintenant, on va passer donc à la toute dernière étape ici qui sera tout simplement donc d'ajouter en fait des éléments sur l'image. Donc tout de suite, on peut essayer tout simplement déjà donc de dupliquer la page, donc toujours dupliquer la page juste pour garder une copie. Ensuite, vous faites modifier une photo. Donc là, je vais utiliser l'outil d'édition magique tout simplement. Et là, par exemple, il dit vraiment de mettre le pinceau sur la partie que je veux. Donc ici, je vais mettre un peu de pinceau sur la partie. Mais je crois que ce que j'ai là, ça a pris vraiment un peu trop d'espace. Je vais refaire tout simplement. Et je voudrais tout simplement ajouter là, donc un soldat qui justement est sur un cheval. Donc je fais continuer. Donc là, ici, il dit d'écrire votre modification, l'IA va le créer pour vous. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez juste mettre votre élément en français ou en anglais, mais je trouve que pour les IA, les questions d'IA, quand vous mettez en fait vos recherches en anglais, vous avez un meilleur résultat. Par contre, on va essayer déjà, on va mettre soldat sur un cheval de guerre. Ok,
on va voir qu'est-ce qu'on aura comme résultat tout simplement, et on fait générer. Donc là il nous dit tout simplement qu'ils ont identifié des mots susceptibles de, donc je pense que c'est la guerre qui est bien sûr dedans qui crée ça. Donc je vais supprimer guerre et je vais refaire générer, et là vous pouvez en fait voir les résultats qui me sont proposés. Vous voyez un élément soldat qui a été ajouté là sur mon design assez facilement avec de l'ombre justement là en dessous. Enfin, je peux zoomer pour que vous puissiez bien voir que l'ombre là et qui s'intègre assez parfaitement dans l'environnement. Voici donc l'autre résultat qu'il nous propose, mais ça c'est beaucoup moins vrai pour moi. Ensuite on a ça qui est assez intéressant, et ça que je pense vraiment donner le meilleur résultat. Mais je pense que s'il faut choisir, donc dans les 4 éléments que j'ai là, je vais plutôt choisir celui-ci et je fais terminer. Donc là voici vraiment là où je vais peut-être m'en arrêter tout simplement, mais il existe vraiment pas mal d'autres options, d'autres fonctionnalités ici, plein qui utilisent de l'IA et que vous pouvez tout simplement essayer et voir un peu jusqu'où l'élément, jusqu'où en fait l'IA peut vous aider dans votre travail et surtout pour avoir des résultats assez intéressants. Voilà donc un visuel de publicité qu'on est parti chercher sur une plateforme comme ça et qu'on a essayé donc de modifier un à un jusqu'à avoir un résultat comme ceci. Sincèrement, moi je souhaite donc avoir vos avis dans les commentaires de la capacité en fait que ces IA ont aujourd'hui et savoir vraiment si tout ça peut nous être utile dans nos travaux quotidiens. Je pense qu'on a déjà bouffé plus de temps dans cette démonstration. Donc, on va se dire à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas donc de me laisser un gros pouce bleu si ce travail de documentation, de challenge, de vraiment, enfin, vous connaissez, vous intéresse. N'hésitez donc pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.